Et le code de l'autre côté. Guest, oui, c'est Mélusine qui va manger avec moi. Bonjour à tous.
Là, on va baisser le son ici. On va le baisser là aussi. Parce que la musique, voilà. Comme ça. J'espère que vous avez bien dormi. Les filles ont bien dormi. Ça, c'est cool. Tiens ma choupinette. Elle n'a pas été changée. Diantéra n'a pas été changée, Mélusine a été changée. Allez. On peut déjà faire les examens blancs. Trop bien. Allez-y. Sur certains véhicules, le passage des feux de croisement au feu de route et inversement est automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis pas au courant de ça. Moi, je ne savais pas que c'était automatique sur ce type de véhicule. Ah ouais, incroyable. Certains véhicules gèrent automatiquement le passage des feux de croisement en feu de route et inversement. Dans ce cas, il y a une position dédiée sur la commande d'éclairage qui représente le voyant des feux de route avec la lettre A dedans. Ce dispositif fonctionne très bien dans la plupart des cas, mais le conducteur peut reprendre la main et choisir de forcer l'allumage des feux de route ou de croisement si la situation l'exige. Réponse A. C'est beau la technologie. Bon, première erreur du matin, c'est cool. Ce feu me concerne. Ça dépend si je suis oui. Conducteur de bus ou pas. Réponse A. Non. Réponse B. Il m'ordonne de m'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ah, j'ai un retour qui me gêne. Oui. Voilà, j'ai le retour d'une voix féminine. Ce feu me concerne. Bah non, je ne suis pas un bus. Il m'ordonne de m'arrêter. Il concerne les bus. Mais qu'est-ce que je fais là? Ce feu ne concerne que les véhicules de transport en commun. Quelle que soit sa couleur, je n'ai pas à en tenir compte. Réponse B. Aider. C'est vrai. J'ai un jerrycan plein d'essence pour ma tondeuse. Je suis considérée comme véhicule transportant des matières dangereuses. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai un jerrycan plein d'essence pour ma tondeuse. Je suis considérée comme véhicule transportant des matières dangereuses. Je dirais que le jerrycan est prévu pour ça, mais vu la tête des questions, ça va peut-être être dangereux. Non, c'est pas dangereux de porter un jerrycan d'essence. Enfin, si, ça peut l'être. Mais allez, on va dire oui quand même. On va dire oui. Et la réponse était non. J'aurais dû m'écouter. Un jerrycan contient en plus environ 10 à 20 litres de carburant. Si j'en ai un ou deux dans le coffre, ça ne fait pas de mon véhicule un transport de matière dangereuse. Il faudrait une quantité plus importante. Cependant, il serait peut-être logique que j'applique le même principe de précaution que pour ces véhicules, à savoir réduire un peu ma vitesse, surtout si le bidon oui. N'est pas très bien arrimé. Réponse oui. B. En disant, bah, ça dépend, c'est que ça loupait un élément. Oui. Parce que c'est jamais ça dépend. Oui. Non mais si un jerrycan d'essence c'est prévu pour, par contre si on a deux jerrycans et trois bouteilles de gaz, on est d'accord que là ça commence à devenir un peu dangereux. Oui mais voilà, je pense parce que tout à l'heure t'as dit bah ça dépend, ah non, ils ont prévu le ça dépend. Ouais, ok, bon ça commence pas fort aujourd'hui hein. Je suis la moto pour dépasser. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait sur cette route-là aussi? Mais non, en plus, il est en contresens. Je peux suivre la moto pour dépasser. Non. Oui. Mais non, il est en contresens. Ce motard est en infraction. Il dépasse malgré la ligne continue, certainement une voie réservée au bus, vu la largeur du trait. On dirait aux voitures en face. Pourtant, cette signalisation s'adresse à tous les usagers. Bien que la voie soit libre, je ne peux pas l'utiliser pour dépasser. Réponse B. Cette balise m'informe sur le réseau sur lequel je circule, réponse A, l'altitude à laquelle je me trouve, réponse B, le nombre de kilomètres me séparant de la prochaine ville, réponse C. Alors je suis au point 22e kilomètre de la départementale 12, à 1250 km d'altitude. Par contre ça ne me dit pas spécifiquement le nombre de kilomètres me séparant de la prochaine ville. Donc A et B. Cette balise m'informe de haut en bas.
du numéro de la route sur laquelle je me trouve, la départementale 12, du point kilométrique 22. En revanche, elle ne m'indique pas la distance qui me sépare de la prochaine ville. 22 correspond au nombre de kilomètres depuis le début de cette route. Réponse A et B. 22 correspond au nombre de kilomètres depuis le début de cette route. Chaque année, sur la route, on compte au moins plusieurs dizaines de tués liés au cannabis. Réponse A. Plusieurs centaines de tués liés au cannabis. Réponse B. Cette angoisse retour 20 ans en arrière. Ah bah ça fait du bien de se remettre un peu dedans. Moi j'y suis, je me suis jamais mis, donc j'ai jamais passé le code. Toi non plus, Lisanne, tu l'as jamais passé. À tes souhaits. Oh, les allergies du matin, désolé. Ouais, je suis désolé. Chaque année sur la route, on compte au moins, je sais pas combien il y a de morts du fait du cannabis, on va dire des centaines, allez, c'est l'esprit du code. Les chiffres publiés sur ce sujet font encore débat, ouais, parce que les contrôles ne sont pas tous pris en compte. Mais une chose est sûre, le bilan du cannabis sur la route, c'est au moins 200 à 500 tués chaque année. Qui a dit que le cannabis était une drogue douce ? Réponse B. Je dépasse le cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, je dépasse pas le cycliste, il y a un tracteur en face. C'est quoi le rapport avec le code, le cannabis ? Je pense que c'est pour dire, c'est pas bien de fumer en prenant le volant, donc on vous le dit dans le code et ça vous fait des points faciles. Je pense que c'est surtout ça. Bah non, je passe pas, il y a un tracteur. J'aurais pas la place. En dépassant ce cycliste immédiatement, je devrais me déporter sur la voie réservée aux véhicules arrivant en sens inverse. En effet, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1,50 m pour sa sécurité en raison d'un possible écart de sa part, sa zone d'incertitude. Or, un tracteur arrive en face, suivi d'autres véhicules. C'est un véhicule lent, mais nous allons dans des directions opposées. Notre vitesse de rapprochement est donc la somme de nos vitesses respectives. Il est trop tard pour dépasser. Je reste derrière le cycliste du temps, et je le dépasserai lorsque IRL. Les conditions seront plus favorables. Réponse B. Bien entendu, on se positionne en tant que conducteur de voiture. Continue. Je ne veux pas perdre de vue mes amis qui se trouvent dans la voiture blanche. Et je passe. Je passe. Oui, réponse A. Dommage. Non, réponse B. Avec 200 chevaux, ça passe. Oui, mais le ça dépend, en fait, ça peut pas rentrer en ligne de compte, c'est ça qui est dommage. T'as mis le retour aussi ou pas pour les questions? Je suis en train de lire des choses absolument incroyables. D'accord, ok. Je passe donc, non, on ne passe pas, on valide puisque ça clignote donc. Le feu du passage à niveau clignote, ce qui signifie que les barrières vont s'abaisser. Cela signifie surtout qu'un train arrive. Ouais, mais on va être en retard. Pas question de tenter de passer, cela n'en vaut vraiment pas le coup. Mes amis s'apercevront rapidement que je ne les suis plus, ils s'arrêteront un peu plus loin pour m'attendre. Réponse B. L'essuie-glace arrière et le désembuage de la lunette arrière s'activent généralement. Avec une même commande, réponse A. Avec deux commandes séparées, réponse B. Alors dans la famille, on a toujours eu des véhicules vraiment anciens et compagnie. Il me semble que c'est deux boutons différents. Hein. Avec deux commandes séparées. Ouais, c'est ça. L'emplacement des commandes et leur fonctionnement peut varier d'un modèle de voiture à l'autre, mais généralement, les essuie-glaces, avant et arrière, s'activent avec la même commande située derrière le volant, une sorte de manette du côté droit. En revanche, le dégivrage des embuages de la vitre arrière se trouve généralement à part. Il s'agit d'un interrupteur situé sur la console du tableau de bord. Réponse B. Ouais. Ah ouais. Je regarde, normalement le retard est de 5 secondes, mais ouais, mais c'est peut-être le débit en fait. Si t'étais en wifi, c'est peut-être ça. Continuez, dernière question de la série. Je circule sur la 75. Bien oui. Sûr que nous circulons réponse sur la 75. A, non. Réponse et sur la B, E11, oui, c'est le la même. 11, oui. Réponse C. Pourquoi t'as une pub? Non. Mais j'ai pas mis réponse de D. Une pub. Ouais, c'est pour ça que je te le dis. Ah bah non, mais je sais pas, je suis pas d'accord là. Voilà, on est sur la même route. Je circule à la fois sur l'autoroute A75 et sur la route européenne E11. Les routes européennes permettent d'effectuer un trajet sans que les appellations varient d'un pays à l'autre. Mais elles empruntent des routes et autoroutes nationales existantes
d'où cette double appellation. Réponse A et C. Bon, c'était pas ouf. C'était pas ouf, la première question en erreur, c'était vraiment pas terrible. On va continuer. Sur une voiture à boîte automatique, pour immobiliser mon véhicule, la position N dispense de serrer le frein à main. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous me parlez d'une voiture à boîte automatique, mais j'ai pas le permis, je sais pas moi comment ça marche une boîte automatique. Pour immobiliser mon véhicule, la position N dispense de serrer le frein à main. A priori non, mais j'en sais rien en fait. Est-ce que les voitures à boîte automatique, elles ont un frein à main? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Allez. Ouais, je dirais non. Je dirais non non plus. Hein. Je vois pas pourquoi un truc te dispenserait de. C'était bien ça. Sur une voiture à boîte de vitesse automatique, ouais. On trouve au moins 4 positions. P, pour immobiliser la voiture, mais attention, cette position ne remplace pas le frein de parking ou frein à main. R, pour reculer. N, pour le point mort, le moteur tourne sans entraîner les roues, mais cette position n'immobilise pas la voiture si elle est en pente. Okay. Et D, pour avancer. On peut aussi trouver des positions qui permettent de passer le rapport supérieur ou inférieur en position D ou de bloquer une vitesse pour utiliser le frein moteur, notamment dans une grande descente. Si je suis en position N, je serre le frein à main pour éviter que ma voiture ne bouge, comme je le ferais au point mort sur une voiture à boîte de vitesse manuelle. Réponse B. D'accord. Ok. Donc il y a bien un frein à main aussi. Super. D'ailleurs, le point mort, c'est ce qu'on met quand on est dans une grande descente pour économiser du carburant. Hein, c'est... Ah non, il faut pas le dire qu'on fait ça. Ça se fait pas. Les feux et la sonnerie viennent de se déclencher. J'ai le temps de passer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, tu rechantes ta chanson bizarre là, Lisandre. Les feux et la sonnerie viennent de se déclencher, le temps de passer. Bah non. Arrêt d'urgence. Le feu rouge clignotant et le retentissement de la sonnerie débutent au même moment. Ils annoncent la fermeture de la barrière qui, heureusement, s'abaisse quelques secondes plus tard. Ce n'est pas une raison pour tenter de forcer le passage. Ici, j'ai normalement adapté ma vitesse à l'approche du passage à niveau, toujours bien annoncé, j'ai donc largement le temps et l'espace nécessaire pour m'arrêter. On compte malheureusement plusieurs dizaines de victimes au passage à niveau chaque année. Réponse B. Ok. Tu rigoles, l'autre fois j'ai vu un reportage sur l'éco-conduite où le gars il disait de le faire. Ah ouais, mais il me semblait que c'était interdit de faire ça. Enfin, je voyais mon père qui le faisait quand j'étais gamin. Il y avait des grandes descentes. Il mettait le point mort et puis on reprenait genre 2 km après en plein milieu de la montée bah, avec l'élan et tout. C'était une route à 90 mais on devait rouler un petit peu plus haut. Et bah, ça économisait pas mal, hein. C'était rigolo. Le but du jeu c'était de savoir jusqu'à quel niveau on pouvait reprendre. Mais bon, c'était pas très. C'était dangereux quoi. Je m'en rendais compte dès que j'étais gamin. C'est chaud? Bah ouais. Donc ça apprend les mauvaises habitudes aux gamins. Une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'avoir un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le risque? Mais bien sûr, évidemment, il ne faut pas boire. Hop là, au volant. Ou avant. Hop. Après, ça marche. 5 grammes d'alcool par litre de sang correspond au seuil à partir duquel je peux être sanctionné. Ce n'est donc pas une alcoolémie légère. Cela correspond à 2 verres au moins servis dans un bar. À 0,5 grammes par litre de sang, le risque d'avoir un accident est déjà multiplié par 2 et par 10 à 0,8 grammes par litre de sang. Réponse A. Mais on était chez toi. Excellent. À 0,5, le risque est multiplié par 2 et par 10 à 0,80. Ah oui, quand même. C'est super dangereux, tu essaieras à l'occasion. Bah, je vais découvrir, ouais. Après, mon père prenait la route en permanence. Mais oui, oui, je pense que c'est dangereux. Et puis surtout, on peut rien faire s'il faut réaccélérer ou quoi que ce soit. On est complètement vulnérable. Et puis, bah, il n'y avait pas le frein moteur dans la descente, quoi. Puisque ça descendait bien fort. Que tu passeras le permis. C'est pas tout de suite, mais bon, on avance.
Mais oui, Lisandre, bah oui, t'as posé ta fenêtre en duplo ici, t'as bien raison. Ah bon, pour l'instant, tout va bien. Cette balise signale un virage, réponse A. Signale un sommet de côte, réponse B. Délimite bah, le bord de la chaussée, réponse C. Oh, attends, je vais faire un rototo à ta sœur d'abord. Qui a pas l'air très joyeuse non plus par la question. Qu'est-ce que c'est que cette balise signale un virage. Oui, ça peut signaler un virage. Surtout qu'en descente, les voitures modernes coupent l'injection d'essence. Du coup, tu consommes plus au point mort. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça a aucun intérêt aujourd'hui. D'accord. Donc en gros, l'éco-conduite, c'est l'inverse. Ah non, c'est l'inverse. Tu consommes plus. Ok. Ouais, mais si c'est dangereux, c'est... Faut faire super gaffe. Moi, je dirais que ça signale un virage, un sommet de côte. Un sommet de côte. Je me souviens pas d'avoir vu ce panneau et on est en Auvergne, alors on va encore se faire juger. Délimite le bord de la chaussée. Ce genre de panneau, t'en as aussi en Normandie. Hein. Ouais, donc c'est pas un sommet de côte, alors... Je sais pas, ça signale un virage. Ah non, parce qu'il n'y a pas un... Ah non, c'est les passages à niveau où il y a trois traits, deux traits, un trait. Moi, je dis que ça signale un virage. Et c'était le bord de la chaussée, d'accord. C'est juste pour délimiter sur les côtés. Ah oui, ça, c'est réfléchissant. C'est ça? Ouais. Cette balise est une balise de guidage, permettant de délimiter le bord de la chaussée de chaque côté. Elle n'est jamais seule. Il y en a tout le long de la route, à intervalles proches. Les balises signalant les sommets de côte n'existent pas. Elles auraient peu d'intérêt. Réponse C. Bah, elles auraient peu d'intérêt. Ils le marquent en général. C'est col de machin 900 mètres. Bon, encore une belle erreur. Ouh là là. Oui, parce que tu peux en avoir hors virage, en fait. D'accord, ok. Moi, au début, j'étais là, bah, la A et la C, en fait, c'est les deux. Mais non, tu en as aussi. Je peux m'arrêter à droite pour faire monter ces autostoppeurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah là, ils sont sur la voie de bus, donc je vais pas... Est-ce qu'ils sont sur la voie de bus ou est-ce qu'on est sur une double... En tout cas, je peux pas m'arrêter là, parce que c'est des zébrages pour le bus. Donc je dirais non. Et il faut qu'ils aillent ailleurs. La voie de droite est délimitée par des traits larges, ce qui signifie qu'il s'agit par des traits larges. J'ai encore eu le mauvais certains usagers. Étant donné sa largeur et le marquage jaune en zigzag, je peux facilement en déduire que c'est une voie aménagée pour les bus. Je n'ai donc pas le droit d'y circuler, ni même de m'y arrêter. Je ne peux donc pas faire monter ces autostoppeurs qui feraient bien de trouver un autre endroit s'ils veulent être pris. Réponse B. Qui ferait bien de trouver un autre endroit s'ils veulent être pris. Bon, faut que je regarde la ligne là, puisque j'avais pas la bonne justification, j'avais que le zébrage là. J'avais pas la ligne... comment on l'appelle celle-là? Par des traits larges, ok. Je loue une camionnette qui a un PTAC de 2500 kg et un PV de 1000 kg. Cela signifie que je peux charger 1500 kg de matériaux. Oui, réponse A. Je loue une camionnette qui a un PTAC de 2500 kg de 2,5 tonnes et un PV... de 1000. Il y a le poids vide et le poids tout... Il n'y a pas un truc de charge utile. Ça signifie que je peux charger 1,5 tonne de matériaux. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Eh ben non, c'est pas ça. Le PTAC et le poids réel qui ne doit pas dépasser remorque non comprise. Ok. Dans cet exemple, oui, d'accord, c'est avec les occupants. Ok, d'accord. Voiture, c'est pas c'est la charge totale. 2500 kg maximum qu'il peut peser une fois chargé. Il reste 1500 kg auquel je dois soustraire le poids des occupants, au moins le conducteur. Il n'est donc pas possible de charger 1500 kg dans ce véhicule. D'accord, merci. Réponse B. Ok. Ça, c'est les trucs, forcément, quand on n'a jamais été installé au volant, c'est le genre de question qu'on n'a pas forcément déjà approché. C'est pour ça, quand on avait loué le camion de livraison, nous, on s'était pas occupé de ça. Hein. On avait laissé Clémence avec son permis géré, et puis on savait que, de toute façon, on n'utilisait pas tout à fond. On avait pris un gros volume et on avait gardé la place pour bien tout caler. Est-ce qu'on produit en car ce panneau me concerne. Si je conduis une voiture, oui. Bah non, réponse moi je double A, pas. Donc, non. Réponse même, B. Si je conduis une camionnette,
Oui. Réponse C. Non. Non. Réponse D. Ah, ça va être un camion et pas une camionnette. Ça va être ça, le délire. Ce panneau interdit aux véhicules lourds transportant des marchandises de dépasser. Si je conduis une voiture de tourisme ou une camionnette, ce panneau ne me concerne pas. Je peux dépasser. Bon, réponse B et D. Donc ça, c'est un véhicule lourd. Ok. Si tu conduis une voiture noire, exactement. Je peux utiliser les vélos en libre service si je ne suis pas résident de la ville où ils sont proposés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est censé être le cas pour inciter les gens à prendre des vélos et à se mettre au parking relais. Simplement le prix, je crois, peut être différent. Les vélos en libre service sont proposés comme alternative à la voiture pour les petits trajets. Ils ne sont pas réservés aux habitants. Encore faut-il en trouver. Hein. Ils peuvent être utilisés par tout le monde, à condition d'avoir souscrit à ce service. Seule contrainte, ils doivent être restitués à une station dédiée, mais pas forcément celle où l'on a emprunté le vélo. Un peu comme les chariots d'une grande surface. C'est quoi ces questions? Mais c'est des questions pour me sauver parce que je fais des erreurs. Moi, j'ai toutes les questions sur le cannabis, sur l'alcool et sur les vélos, et dès qu'il y a une question sur marquage au sol, je me plante. Donc le jeu essaye d'être sympa avec moi. Ok, donc ça c'était facile. Par contre, quand il faut prendre un abonnement à l'année et qu'on débarque dans une ville, bah, c'est super galère quoi. Enfin, c'est pas forcément super pratique. Il faudrait qu'on puisse, je sais pas moi, payer avec sa carte, que ça prenne une caution de 75 qui ne débite pas mais qui provisionne, et qu'il facture à la fin du trajet, qu'on puisse reposer le vélo. Alors que si on est obligé de prendre un abonnement, filer une pièce d'identité, filer une photo, alors qu'on a juste besoin de ça pendant une heure dans une ville donnée, c'est super galère quoi. Oui, on est très nombreux là. 5 plus 2. Et t'as toujours pas fait de rototo, Mélusine. T'es très concentré, mais il faut que tu fasses un rototo, sinon tu auras mal au ventre. 9e question. Cette commande concerne le rétroviseur extérieur gauche. Mais j'en sais rien, moi je connais pas ça. A, le rétroviseur central. Réponse non, B, je pense... Le rétroviseur extérieur droit. Réponse C. Vous me parlez de technologie qui concerne des voitures récentes. Merci pour le host. Pourquoi il apparaît pas le host? Et là, il apparaît le host. Voilà. Merci beaucoup. Cette commande concerne le rétroviseur central. Non, ça c'est éteint quoi. Rétroviseur gauche, rétroviseur droit. Extérieur gauche, extérieur droit. Je vois pas ce que ça peut. Ah, mais est-ce que ça veut dire que ça peut être réglé automatiquement? Non, j'y crois pas. Ça veut dire que c'est la fonction éteinte. Moi, je dis que c'est éteint là. Voilà, c'était ça. Super. Le rétroviseur intérieur se règle directement non, en le faisant la main, sur tout, sa rotule. Hein, sur les vieux véhicules, en revanche, les rétroviseurs extérieurs se règlent de plus en plus depuis l'intérieur de l'habitacle grâce à une commande comme celle-ci. Il y a une petite molette à l'intérieur. Je commence par faire tourner la commande pour sélectionner quel rétroviseur je veux régler. Gauche, left ou droit, right. Puis je déplace la commande comme un joystick pour faire monter, descendre, pivoter à gauche ou droite les miroirs. Une fois ces réglages effectués, je n'oublie pas de replacer la commande sur 0 pour ne pas dérégler accidentellement les rétroviseurs extérieurs en conduisant. Réponse A et C. Yes, bon bah c'était bon. Moi j'ai ça mais ça ressemble pas à ce bouton. C'est beau d'avoir de la technologie dans sa voiture. Ils ont droit aux questions récentes avec boîte automatique et tout là. Bah écoute, quitte à passer le... à avoir un truc d'exercice de code, autant avoir sur des questions que je peux avoir. Techniquement, il pourrait me la poser. Oui. Même si je le prends pas en boîte automatique et tout. Après, pour te donner une idée, moi j'ai le bouquin du code de la route. Ouais. Chez ma mère, de 1999. Ouais. Voilà. D'accord. Si tu veux pour réviser, c'est pas sympa. Alors moi je me souviens de la Volvo de mon père, mais elle était 93, alors du coup c'est pas un bon exemple. Il y a plein de choses qu'il n'avait pas ouais, dessus. Bah ouais. Mais elle était bien cette voiture. Bon, je pense que Mélusine ne va pas faire le rototo là, c'est mort. Elle a tout vu. Ouais, elle a tout vu. 10e question. On s'est un peu déchiré là. Je peux encore prendre la sortie Perpignan Centre. Mais pourquoi oui, je vais aller à Perpignan? Réponse A. Non. Réponse B. Est-ce que je peux encore? Bah non, le marquage au sol il est plus comme ça, donc ça veut dire qu'on s'est déchiré et que. Est-ce qu'on peut encore le prendre? Je serais tenté de dire que non, le marquage au sol me l'interdit. Voilà.
il n'y a pas d'indication de distance sur le panneau qui indique la sortie Perpignan. Elle se trouve donc là, au niveau du panneau, derrière le camion. Il est donc trop tard pour la rejoindre, ce que confirme la ligne de dissuasion. Je prendrai la prochaine sortie, Perpignan Sud, d'où il me sera sans doute possible de retrouver une direction Perpignan Centre. Inutile de prendre des risques. Réponse B. Ça, on ne le fait que dans Eurotruck Simulator. Parce que j'ai pas le permis, mais par contre, je joue à des jeux de camions, il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors du coup, je me déchire des fois. Parce que... Pour remonter votre voiture, votre manivelle se trouve à l'avant, mais à l'arrière. Moi je sais pas là, je connais pas la réponse non plus. Bon, c'était pas terrible. Hein. C'est pas comme ça qu'on va avoir le code. Oh mon dieu. Bon, on continue. Je vais te poser ma belle. Voilà, je vais te poser dans ton transat. Avant qu'elle me vomisse dessus. Pas comme la semaine dernière, quoi. Oh, j'avais eu le temps, j'avais réussi à le clip. Au moment où elle me vomit dessus. La première année de mon permis probatoire, sans commettre d'infraction, je dispose de 6 points. Si j'ai suivi une formation AAC, oui. Réponse AAC, c'est conduite accompagnée. Non. Réponse B. Si j'ai suivi une formation traditionnelle, oui. Alors, je crois qu'il y a un piège. Non. La réponse première année de mon permis probatoire, sans commettre d'infraction, je dispose de 6 points. Si j'ai suivi une formation AAC. Mais je crois que c'est quand même 6 points au début, le probatoire. Même pour la conduite accompagnée. Et je crois que la différence, c'est pas genre 2 ans en accompagné et 3 ans en traditionnel. Je dirais oui et oui. Je crois que c'est ça. Et la réponse est, c'est la bonne. La première année de permis, voilà, si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Peu importe la formule d'apprentissage choisie, en conduite accompagnée ou en formation traditionnelle. C'est les années suivantes qu'il y a une différence. Si j'ai opté pour la conduite accompagnée, mon permis de conduire sera crédité de 3 points chaque année contre 2 en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. Tout cela, bien sûr, là encore, si je ne commets pas d'infraction. Réponse A et C. En fait, il est différemment, mais c'est bien ça, quoi. C'est-à-dire qu'au début de la troisième année, on a 12 points en conduite accompagnée et on n'a que 12 points qu'à partir du début de la quatrième année. Ok, donc c'est bien ça. Tout ça si je commets pas d'infraction. Ah, c'est pas mal d'avoir un A quand tu commences à avoir les cheveux qui grisonnent. C'est rigolo, non? C'est pour ça, si je pouvais éviter ça. Ah, ces gens qui ont eu le permis il y a plus de 10 ans. Sans commettre d'infraction, bah, je peux être soumis à un dépistage. D'alcoolémie, oui. Réponse 2004, A, 2005. Non. Réponse 2005. B, de drogue. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur ton petit papier. Sans commettre d'infraction, je peux être soumis à un dépistage d'alcoolémie et de drogue. Bah oui, ils font ce qui leur paraît le plus logique. Je pense que... là, l'image, on s'en fiche. Et de toute façon, il y a les flics, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par contre, s'ils pouvaient éviter de me faire s'arrêter dans la descente, ce serait bien. Hop. Il y a plusieurs cas où un dépistage de drogue ou d'alcool est possible. Tout d'abord, après un accident, en particulier un accident corporel ou mortel. C'est généralement systématique, mais aussi suite à n'importe quelle infraction. Cela arrive assez souvent en cas de refus de priorité ou en cas d'excès de vitesse élevé. Pour finir, je peux aussi être soumis à un dépistage lors d'un simple contrôle. Autrement dit, je peux être soumis à ces contrôles tout le temps, n'importe où et pour n'importe quelle raison. Voilà. Réponse A et C. Mais il n'y a pas d'accident là, mais il n'y a pas d'accident. Le plus important est de klaxonner, réponse A, d'éviter l'accident, réponse B. D'éviter l'accident, évidemment, il n'y a pas... La plupart des gens klaxonnent à ce moment-là en mode bip bip, en mode tu me laisses pas sur ma voie principale, mais voilà, on veut juste pas le cartonner. En plus, c'est des personnes âgées, on va avoir des problèmes. Voilà, de toute façon, on n'a pas besoin de klaxonner là, il n'y a pas d'urgence. Le conducteur arrivant de gauche aurait dû attendre que je passe avant de s'engager. Dans une situation comme celle-ci, où ralentir ou freiner légèrement suffit à éviter l'accident, est-il vraiment besoin de klaxonner? Ce n'est pas le coup de klaxon qui permet d'éviter l'accident. Alors ce n'est pas la peine d'ameuter tout le quartier dès qu'un usager commet une petite faute. Le plus important, c'est d'éviter l'accident. Réponse B.
Bah oui, surtout que là, si on arrive à une vitesse assez élevée, je pense que le passager il morfle. Hein. Perso, je suis content de ne pas conduire, je me fais contrôler, je n'ai pas assez de souffle pour faire le test à décoller. Je pourrais le faire pour toi si tu veux. On peut aussi lui faire des petits gestes sympathiques. Je te les fais pas devant toi, Lisande, hein, parce que je voudrais pas que tu fasses ça à l'école, sinon on va avoir des problèmes. Prise de sang dans le doute. Hop. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux véhicules de transport de marchandises. Oui, réponse C. Non, réponse D. De toute façon, le principe dans les tests d'alcoolémie, c'est de souffler longtemps, c'est pas de souffler forcément fort. Oui, mais moi, je peux pas. Oui, oui, de toute façon, dans tous les cas, tu peux ni l'un ni l'autre, donc... Du coup, je soufflais doucement. Ouais, c'est... Bah oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que de toute façon, ils disent « Allez, encore, encore, encore !» Donc si on souffle tout d'un coup, ils nous prennent la tête après. Samedi dernier, oui, j'aurais soufflé, en effet. Il aurait éclaté. Pardon. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun. On dirait bien que ça ressemble à fort et longtemps. Enfin, j'aurais pas soufflé longtemps et j'aurais pas soufflé fort non plus. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun. Bah, oui, on dirait que ça ressemble à un bus. Aux véhicules de transport de marchandises, bah non, on dirait pas. Ça sera endormi avant la fin. Voilà. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun de personnes, bus, car les véhicules de transport de marchandises, même lourds, sont autorisés à passer. Réponse A et D. Ça, c'était facile, mais enfin, tout à l'heure, j'ai quand même été foutu de ne pas reconnaître le camion rouge, hein, qui était un véhicule, un lourd. Je poursuis le dépassement. Mais non, il y a une flèche. Oui. Oh. Réponse A. Non. En fait, c'est des marchandises seulement si on fait du trafic. Sinon, ça n'en est pas. Je poursuis le dépassement. Non. On se rabat docilement. Et voilà. La flèche située au milieu de la voie où je circule me concerne. Il s'agit certainement de la première, puisqu'aucune autre n'est visible dans le rétroviseur. Bah, j'espère que c'est cependant, la première, sinon ça je ne peux pas poursuivre que... oui, ce non, dépassement, même si cela pourrait être tentant. J'ai pas regardé le rétro. En effet, oh, où vais-je me rabattre ? Entre les voitures ? Impossible. Les intervalles de sécurité, déjà trop justes, ne seraient plus du tout respectés. Et je n'aurais pas le temps de dépasser ces trois voitures en une seule fois. Mais on peut faire une queue de poisson, je me rabats hein, immédiatement. Pas... Réponse B. Il y en a qui le font ça, en mode « Oh, vas-y, hop !» et ils se rabattent là, ou là, selon ce qu'ils ont le temps. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Si je respecte la limitation de vitesse, la durée d'un feu jaune permet toujours d'avoir le temps de passer ou de s'arrêter avant le feu rouge. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Bah, normalement, c'est vrai. Soit on passe, on garde la même vitesse... si on le voit jaune, enfin orange, parce que feu jaune, ça s'appelle pas feu jaune, ils ont dit n'importe quoi. Hein. C'est la version belge, c'est pas possible. C'est la version québécoise. La version québécoise. Le feu moite-moite. La durée d'un feu jaune permet toujours d'avoir le temps de passer ou de s'arrêter. Bah oui. Ouais, on est d'accord, c'est un feu orange. Hein. Voilà. En agglomération, limité à 50 km/h, le feu jaune dure environ 3 secondes. Il est d'environ 5 secondes hors agglomération, généralement limité à 70 km/h maximum lorsqu'il y a des feux tricolores. Cette durée est étudiée pour qu'aucun usager, même un peu surpris par le changement de couleur du feu auquel il faut s'attendre, puisse s'arrêter avant que le feu ne soit rouge, même si la chaussée est mouillée, à condition bien sûr que sa vitesse ne soit pas excessive. Au feu vert, je me prépare à m'arrêter. Au feu jaune, je cherche à m'arrêter. Pas à passer à tout prix. Réponse A. Ok. 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 Très bien. Bon, super. Le gars qui a fait la question est-il intéressant. Si mon passager voyage les pieds sur le tableau de bord, il risque d'être grièvement blessé par l'airbag lors d'un choc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, à risque de plus faire la même tête après. Parce que là, elle a l'air contente en mode « Hey, salut, tu viens plus aux soirées, après c'est « tu viens plus à l'hosto ». Il risque d'être blessé, oui. Ici, une un passager qui met ses pieds sur le tableau de bord prend des risques.
en particulier lorsque la voiture est équipée d'un airbag passager, comme c'est le cas sur la plupart des voitures désormais. En cas de déclenchement de ce dispositif, il explose, ses jambes seront violemment projetées. Le risque de fracture multiple est très important. D'autre part, dans cette position, l'airbag, censé ralentir l'accélération de la tête vers l'avant, ne sera d'aucune utilité. Réponse A. Bref, RIP. Alors si en plus ça met pas sa ceinture, au moins elle fait un combo. Tant pis. Et elle devient très souple. Bah ça dépend avec le, avec les, comment on appelle ça, les, comment on appelle ça quand on est à le bras cassé et qu'on met un, le, avec les plâtres. Putain, le tableau de... Exactement. Avec les plâtres, elle est plus très souple. Elle l'est, mais pendant un court laps de temps, on va dire. Entre la sortie du véhicule et l'impact sur la route. Continuez. La sortie annoncée est la sortie numéro 19. Ben non, réponse c'est la sortie. Ah, c'est facile, ça. Se trouve à 19 km. Réponse B. C'est la sortie 19 et elle est dans 2 km. L'inscription 19 est le numéro de la sortie. Grave. Elle se trouve à 2000 mètres. Réponse A. Voilà. On va pas passer plus de temps sur celle-là. Une généralisation de l'autopartage permettrait de réduire la pollution. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les embouteillages. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ah bah les... non, il n'est pas gratuit, mais il était en solde sur Steam. Et il n'est pas trop mal fait par rapport à d'autres trucs qu'il y a sur Internet. Bien que facile, mais je crois qu'il y a un niveau de difficulté qui augmente au fur et à mesure. C'est aussi pour ça. Les premières questions étaient vraiment très simples, et après je commence petit à petit à avoir des pièges. Donc bon, ça reste facile. Oui, évidemment. L'autopartage est un service mettant à disposition un parc de voitures en libre service, disponible 24 heures sur 24. C'est une solution adaptée aux utilisations de courte durée, généralement de 1 heure à 1 journée maximum. Le reste du temps, cette voiture peut être utilisée par les autres abonnés. Dans les villes, ces véhicules disposent d'emplacements de stationnement qui leur sont réservés. Ainsi, leurs utilisateurs trouvent rapidement une place libre pendant que les autres conducteurs tournent en rond pour trouver une place souvent payante. Étant donné que ces véhicules circulent moins longtemps en ville, la pollution qu'ils génèrent est moins importante et ils participent à rendre la circulation plus fluide. D'accord. Réponse A. D'accord. Et C. Mais il y en a clairement des véhicules en autopartage comme ça ? Ça me parle pas. Hein. C'est rien du tout. Je vois toujours les loueurs de véhicules, mais j'en vois pas spécialement. Hein. Ce type de marquage s'appelle un refuge, réponse ah non, A, un zébra, réponse B, ouais. Une bande d'arrêt d'urgence, réponse alors, C. Alors, est-ce que t'as vu un panneau SNCF, là, Lisande ? Faudra m'expliquer. Je crois qu'il n'y a pas de gare dans le coin, hein, mais c'est pas grave. Ce type de marquage s'appelle un refuge. Non, le refuge, c'est l'espèce de panneau avec un damier rouge et blanc au fond, en mode, vous avez un souci dans la descente. Donc c'est celui-là le refuge normalement. La bande d'arrêt d'urgence, bah non, elle est pas biffée comme ça. Une flèche verte. Ou un zébra. Bah oui, c'est un zébra, ça veut dire qu'il faut pas s'y garer. Ce type de marquage au sol s'appelle un zébra. Il est interdit d'y circuler, d'y stationner ou de s'y arrêter. Je dois considérer qu'il s'agit d'un terre-plein surélevé. Réponse B. T'es trop mignon. Voilà, ça c'était facile. Et on a fait 10 sur 10 sur celui-là. Eh oui ! Ah, GG ! Bon, c'était facile. C'était facile. Sur le 10, il va y avoir des questions pièges. C'est garanti. De toute façon, on fera que jusqu'au 10, hein, mon petit chat. Parce qu'après, il faudra quand même que j'aille bosser aujourd'hui. C'est la reprise du boulot aujourd'hui. Eh oui ! La reprise de l'école. La reprise de l'école. Bah voilà, c'est ça, un refuge. Que la prochaine route est une impasse. Ah bah non, c'était une impasse. Bon, bah réponse A. Non. Réponse B. Que ça, la voie de droite va être supprimée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis perdu, là, je suis perplexe. Je suis perplexe. Non, en fait, ça, c'est quand il y a une descente et que c'est une... C'est pas une voie de détresse, mais... Ah, mais je sais plus, du coup. Que la prochaine route est une impasse et va être supprimée. Bah, en tout cas, c'est une impasse. Oh, je suis pas sûr de mon coup.
Est-ce que je le pif? Bah non, c'est pas drôle. Pour moi, c'était la voie de détresse, ça. C'était le panneau de la voie de détresse. C'est pas la voie de détresse. C'est pas la voie de détresse? Non, mais c'est pas... Enfin, quand il y a des voies comme ça, c'est pas forcément des impasses non plus. Croc Mitaine me dit B et D. Que la voie de droite va être supprimée. Pour moi, c'est une voie sans issue de détresse. Ben ouais, je suis d'accord sur la détresse. On s'en fiche, c'est pas ce qu'on demande. Et toi, tu me dis que c'est pas une voie de détresse. Non, mais c'est pas ce qu'on demande, en fait. Ah, donc est-ce que c'est une impasse? Non. Est-ce que la voie droite est supprimée? Non, c'est une voie de détresse. C'est ça. Ce panneau indique une voie de détresse. Il s'agit d'une voie très courte qui se termine dans un tas de sable ou de gravier. Généralement, elles sont installées dans les longues descentes. Ce dispositif permet d'arrêter un poids lourd ou un véhicule léger, mais le cas est plus rare, ayant une défaillance des freins, comme cela peut arriver dans les longues descentes suite à un échauffement des freins. Une voie supprimée aurait été annoncée par un panneau spécifique, bien différent de celui-ci. Idem pour annoncer une impasse. Oui, c'est vrai que ça aurait été deux réponse panneaux qui auraient indiqué un rétrécissement de chaussée. Ok, bon bah très bien, super. Le bac à sable, je vais retenir. Merci. Il commence à neiger, je m'arrête sur cet emplacement pour mettre des chaînes. Quel emplacement? Lequel? Ça il a commence pas à neiger. Un... Je ça m'arrête sur sortie, cet emplacement hein. Pour mettre les chaînes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je sais pas en fait. Le marquage au sol me dirait bien que c'est pas une sortie. Donc bah oui, on va les mettre là alors. Et non, c'était pas ça. C'était bien une sortie. Il commence à neiger, mais la neige ne tient pas sur la route. Les chaînes ne me seraient d'aucune utilité, pire, elles pourraient être dangereuses. D'autre part, les chaînes s'useraient très vite, au risque de casser et dégraderaient la route. C'est pourquoi, lorsqu'il n'y a pas de neige sur la route, elles sont interdites. Réponse B. Alors, en Normandie, en tout cas, on faisait ça. Hein. En Normandie, il y avait trois flocons et un sur la route, c'était fini. Hein. C'était Bagdad. Il n'y avait plus de transport en commun, plus rien qui circulait. Bon, en effet. Hop là. Tu t'es mis devant l'écran, mon chaton. Un camion qui comporte cette plaque est jamais vu. Un véhicule immatriculé à l'étranger. Réponse A. Un véhicule transportant des matières dangereuses. Réponse B. C'est pas une immatriculation, ça. Donc il a des matières dangereuses et il peut y avoir des pictogrammes à la place. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Un véhicule qui comporte cette plaque peut être immatriculé en France ou à l'étranger. Celle-ci n'a aucun rapport avec le pays d'origine. Cette plaque indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. D'accord. Je dois donc, plus que d'habitude, garder mes distances avec lui et le signaler au secours s'il est impliqué dans un accident afin de dépêcher sur place des moyens adaptés. Réponse et s'éloigner s'il commence à cramer. Ouais. Ou porter secours si on voit qu'on a le temps. Hop là. Tu t'assois s'il te plaît, mon chaton. Une seule déneigeuse retournant. Ah bah oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai bossé à Elbeuf. Ouais. Et que ça avait neigé. Mm-hmm. Mais un peu par rapport à ici. Ouais. Mais que ça avait tout bloqué, que le car il passait plus et tout. Et que c'est une collègue qui m'avait ramené parce que sinon je restais sur place. Mais c'est pareil, quand il disait demain, attention, il va y avoir du verglas, il commençait à passer les saleuses à 7h30 du mat parce qu'il faisait jour. Ouais. Et du coup, bah, tout était perturbé, quoi. Il n'y a plus rien qui circulait. C'était pas très bien organisé. Pour stationner sur cet emplacement, j'effectue la manœuvre en marche avant. Réponse A. J'effectue la manœuvre en marche arrière. En marche arrière. Réponse B. Ça y est, on arrive au créneau. Ça y est, c'est drôle. L'emplacement pour stationner est très petit. Si j'effectue ma manœuvre en marche avant, je devrais obligatoirement monter sur le trottoir. Ce qui est interdit et pourrait endommager mes pneus. Ils pourraient être pincés entre la jante et la bordure du trottoir. Bah non, c'est pour provoquer une hernie ou le faire éclater. Si j'effectue la manœuvre en marche arrière, je pourrais éviter de monter sur le trottoir. C'est beaucoup plus facile. C'est donc c'est cette solution facile, que je privilégie. Réponse B. Bon, on monte d'abord sur le trottoir, après on va tout droit. C'est plus simple, non? Il y a un petit espace là pour monter.
Bon, tout va bien. Ça, c'est le genre de réponse où, en théorie... La première année, le permis probatoire est constitué de 6 points. Si j'ai fait la conduite supervisée, en marche avant. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'ai suivi une formation conduite accompagnée, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça ressemble à la question de tout à l'heure. Moi, je fais ça, je monte sur le trottoir. La première année, le permis probatoire est constitué de 6 points si j'ai fait la conduite supervisée. La réponse c'est oui, et conduite accompagnée, oui aussi. Enfin, c'est 6 points de toute façon quand on est en A. La première année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Peu importe la formule d'apprentissage choisie, en conduite accompagnée, conduite supervisée ou en formation traditionnelle. C'est les années suivantes qu'il y a une différence. Si j'ai opté pour la conduite accompagnée, mon permis de conduire sera crédité de 3 points chaque année, contre 2 en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. Tout cela, bien sûr, si je ne commets pas d'infraction. Réponse A et C. Par contre, je ne sais pas ce que c'est que la conduite supervisée. Donc ça, on peut le voir ici. Un petit ticket. Ok, ça c'est bon. Conduite supervisée, ça va être noté ici. Conduite accompagnée, c'est là. Qui vise super bien. Oui, ça, je ne l'ai jamais appris. C'est 80 au lieu de 90. 100 au lieu de 110. 110 au lieu de 130. Okay. Ok. Et sur une route à 80... Parce qu'il faut que ça... On réduit 10 km/h. Sur une route à 80, c'est 70. Un viseur sur le capot. Ok, ça c'est bon. Mon alcoolémie est inférieure à 0,2 par litre de sang, soit moins d'un alcool consommé. 6 points, peu importe la formule, oui. Conduite accompagnée, 2. Contre 2 en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. 80, c'est 80, il n'y a pas de réduction? Parce que c'est pas noté là, du coup. Il n'y a pas de 70, normalement j'avais demandé. D'accord. Ok. Bon, je retiens les 3 qui sont là, et basta. Ok. 2 en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. Ça ne nous dit pas ce que c'est, peut-être après. La perte de points pendant la période de permis probatoire bloque le processus qui permet d'obtenir des points supplémentaires pendant toute la période. Ok, d'accord. Donc il ne faut pas se faire avoir, sinon c'est super galère. Ok. À 70, tu n'arrives jamais. Je recevrai un courrier recommandé en posant d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ça nous expliquera que le cannabis, ça tue entre 200 et 600 personnes par an. Voilà. Et puis après, ils nous fileront un code pour le logiciel. Ce stage a pour but d'éviter que je me mette en danger, que je mette en danger les autres usagers. Ok, ce stage est payant, mais... Comme si le permis était assez cher. Une limitation à 80 km/h en cas de pluie. Le nouveau décret ne prévoit pas de modification de la vitesse maximale autorisée par temps de pluie. Celle-ci sera donc toujours de 80 km/h partout, même sur les routes dont la limitation restera à 90. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Ce stage est payant, me permettra d'accumuler 4 points et le montant de l'amende me sera remboursé. Ah. Une autorisation obligerait à passer le code de la conduite pour pouvoir conduire à nouveau. Je devrais également subir une visite médicale et des tests psychotechniques. Ah ouais, carrément. D'autre part, je disposerai ensuite que 6 points sur mon permis puisque toutes les conditions du permis probatoire seront réinitialisées. Oui. Pendant la probatoire, je peux, si je le souhaite, réaliser une formation complémentaire afin de mieux percevoir et mieux connaître les dangers de la route. Il doit être réalisé entre le 6e et le 12e mois après l'obtention du premier permis de conduire. Ok, d'accord. La formation entraîne une majoration de 2 points supplémentaires sur le permis de conduire au terme de la première année. Permet également de réduire la période probatoire de 1 an. Ok. D'accord, c'est volontaire. Ouais, ok. C'est pour pas avoir le A trop longtemps, quoi. La formation entraîne une majoration de 3 points supplémentaires sur le permis de conduire au terme de la première année. C'est pour ceux qui veulent pas avoir honte. Bah oui, j'espère qu'on va pas se faire flag par Twitch, hein. Ce serait dommage. Il permet également de réduire la période probatoire de 6 mois, soit 1 an et demi au lieu de 2. Bon, et je n'aurais pas eu l'information que je voulais sur la conduite supervisée. Il va falloir qu'on cherche ce que c'est. Alors, c'est peut-être juste tout simplement la conduite avec, en auto-école, quoi.
Ah, peut-être. Conduite accompagnée. Bah non, c'est la formation traditionnelle. Moi, je sais pas. Alors. Conduite accompagnée, on sait ce que c'est. Conduite supervisée. C'est pas les trucs qui remplacent les auto-écoles où en fait on loue une voiture et il y a quelqu'un qui peut être là à côté, genre ta mère. Non, pas ta mère, mais potentiellement ça pourrait dans l'absolu, mais il faut pas prendre ta mère. et qui est à côté et vous avez une voiture école en fait et. Je sais pas du tout. En écoutant cette fréquence, je pourrais être informé en temps réel. Oui, je peux des travaux. Oui, conduite supervisée. Ah, merci, A. Levin. Non. Conduite supervisée réponse permet B. d'âge de 18 ans minimum. Si un accident survient, conduite de compléter oui. sa formation initiale réponse par une phase de conduite C. supervisée par un accompagnateur. Non. Réponse D. Afin de passer l'épreuve pratique dans des conditions plus sereines. Ok. Permet au candidat de compléter sa formation par une phase de conduite supervisée. En gros, c'est en plus des heures de conduite. En gros. Afin de passer dans des conditions plus sereines. Oui, du coup, c'est ça. On loue une voiture. On a l'accompagnateur de notre choix à côté et ça coûte moins cher que les 40 boulasses de l'heure en auto-école qui sont franchement scandaleuses. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. En tout cas, merci pour l'info. J'ai travaillé dans mon auto-école pour me faire payer en heure de conduite. Ça valait le coup ? Bah, je foutais rien, je répondais juste au téléphone et je disais que je savais pas. C'est scandaleux. En écoutant cette fréquence, donc, oui et oui. Autoroute FM. Les sociétés d'autoroute ont toute une station de radio proposant des programmes généralistes, mais bien fournis en informations routières. Conseils, météo sur le réseau, travaux, trafic ou accidents. Régulièrement, ou dès qu'un événement se produit, un flash info est diffusé. La fréquence de ces radios est généralement 107.7 sur tout le réseau autoroutier. Réponse A et C. Ah. Et à chaque fois que je relance, je me trompe plus. Mais c'est super dangereux quand tu vois certains parents conduire. Oui, c'est pas faux, c'est pas forcément le bon exemple. Ouais. Continuez. Ces commandes permettent d'ajuster le volume de la radio. J'ai pas l'impression. On va agrandir pour voir. Le régulateur et le limiteur de vitesse. B. Ça c'est super pratique, hein. J'en ai évidemment jamais touché de ma vie, mais le volume de la radio, non, le volume de la radio il y est pas là, ça... non ça c'est la radio suivante, radio précédente, le volume on le règle avant, et ça je dirais que c'est le limitateur de vitesse, ça c'est pour bloquer, et ça c'est pour le débloquer, je dirais que c'est ça, donc le régulateur. Toutes les commandes qui comportent un signe plus et oui, un signe moins aussi être la radio ne concernent plus, pas l'autoradio. Contrôle du volume, ajustement des stations. Ici, cela concerne le régulateur de vitesse, mais aussi le limiteur, puisque son symbole figure également. On trouve généralement l'indication 7 égale fixé en anglais. Ah oui, d'accord, ça marche. S'il les deux est activé, okay. Le plus permet d'augmenter l'allure programmée et le moins de la diminuer. D'accord. Pour le désactiver, une simple pression sur le frein suffit. Réponse B. Alors j'avais vu une autre façon de fonctionner sur une bagnole il y a déjà 10 ans. C'est pas moi qui conduisais, évidemment. C'était en gros, il fallait atteindre une certaine vitesse. Et à ce moment-là, il fallait appuyer sur un bouton et ça bloquait la vitesse à laquelle on était arrivé. Comme ça, ça ne dépassait pas. On pouvait se caler du coup à 70 ou à 90 et ça bougeait plus jusqu'au matin. Donc ça a l'air un peu moins pratique. Ce dispositif permet de fluidifier la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Merci Lisandre. Moi c'est le truc sur le côté le truc. Oui, il y a aussi la possibilité d'avoir une gâchette ou un truc comme ça, oui. Permet de fluidifier. Oui, bah oui, ça permet de dire à ceux qui ont le panneau vert, bah vous passez. Et ça permet de dire bah non vous passez pas, mais ça c'est du manuel, ça veut dire que ça ne se voit plus du tout. Ce dispositif est constitué de deux piquets mobiles identiques, chacun d'eux présente deux faces, une verte et une représentant un sens interdit. Ces piquets sont actionnés par deux ouvriers en contact l'un avec l'autre et qui alternent la circulation dans une zone de travaux. C'est donc un dispositif manuel. La phase verte autorise les véhicules à passer dans un sens, pendant que plus loin, les véhicules arrivant en face sont arrêtés par un piquet présentant la face sans interdit.
Ceci afin de fluidifier la circulation lorsque la chaussée est rétrécie. Réponse A et B. Ça, c'était facile. En cas de contrôle, le certificat d'assurance collé sur le pare-brise me dispense de présenter l'attestation d'assurance. Oui. Réponse A. Non. Réponse oui, B. Oui, il me souffle les réponses, mais il faut me donner les lettres, là, mon chaton. Bah oui, t'as dit B et A. Ah oui, non, il en faut qu'une seule. Là. En cas de contrôle, le certificat d'assurance me dispense. Non, non, il me dispense pas. Le flic me demande s'il le veut. Hein. Le certificat d'assurance, la petite vignette verte collée en bas à droite du pare-brise, ne suffit pas à elle seule en cas de contrôle. Le nom de l'assuré, oui. Si je me fais arrêter, je dois être en mesure de présenter immédiatement l'attestation d'assurance. Je suis désolé, j'ai pas pris mes papiers, je suis allé chercher du pain entre autres, à 25 mètres le nom de l'assuré. Si je ne peux pas la présenter, je risque une amende. Alors, quand réponse c'est comme ça, B. Tu as plusieurs jours ouvrés pour présenter quand même un peu plus tard en différé. C'est vrai. Les papiers en question, oui. D'accord. Okay. Ou pas non plus pénaliser de la même manière celui qui a un défaut d'assurance et celui qui. Qui gruge, qui en a pas du tout, quoi. Ouais, voilà, qui a juste oublié ses papiers en allant à la boulangerie, quoi. Ok. Hop, dixième question. Je loue une camionnette qui a un PTAC de 2500 kg. Cela signifie que je peux charger 2500 kg de matériaux. Bah non, parce qu'il faut enlever le poids du conducteur minimum. A. Le PTAC, voilà. Poids total en charge d'un véhicule, je vais dire, et le poids du réel qui ne doit pas dépasser, le poids de tous les remorque non comprise. Pour connaître le poids maximum de matériaux que je peux transporter, bon, je dois déduire le poids à vide du véhicule ainsi que le poids de tous les occupants, sans oublier le conducteur et les divers objets qui peuvent être présents dans le véhicule. C'est le véhicule qui est assuré, pas le conducteur. Outils, etc. C'est vrai en plus. C'est vrai. Il n'est donc pas possible de transporter 2500 kg de matériaux dans une camionnette affichant 2500 kg de PTAC. Loin de là. Oui, donc là, on peut porter 2,5 tonnes moins le poids du véhicule qui fait au moins une tonne, moins tous les accessoires et compagnie. Moins le contenu de la boîte à gants. Ok. Hop, on va en faire une dernière. Ce sera la 10. Voilà. Parce que là, il y a des travaux après. Tu fais des bêtises, Lisandre. Lisandre! Continuez. Lisandre, tu viens? Le développement de l'autopartage limiterait les problèmes liés au stationnement. Ça, c'est super simple. Hein. Réponse. Ah oui, c'est chronométré aussi, c'est pour mettre la pression. Réponse. Ça devrait bien se passer. Lisandre! Oui, ça permet d'avoir moins de véhicules sur la route. Si l'autopartage était plus répandu en ville, cela réduirait le nombre de voitures qui, la plupart du temps, ne roulent pas et donc qui encombrent les parkings et les places. Si c'était plus répandu en ville, ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça. En effet, après avoir été utilisée par une personne, une voiture réservée à l'autopartage peut repartir aussitôt avec un autre conducteur abonné à ce service. En libérant ces emplacements de stationnement, il y aurait moins de voitures qui tournent en rond à chercher une place pour se garer et qui, pendant ce temps, polluent et gênent la circulation. Salut, merci d'être passé. Réponse c'est A. C'est bisous. C'est bisous. Non, là-bas, c'est qui? Bisous. Non. Responsable d'un accident, alors que mon permis est suspendu, je devrais rembourser les indemnités versées aux victimes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si on a un accident alors qu'on n'a pas de permis, ça veut dire que l'assurance ne couvrira pas. Enfin, si on n'est pas solvable. Conduire alors que son permis a été invalidé, annulé ou suspendu, c'est prendre de gros risques. Le premier, le moins grave, c'est de se faire contrôler et d'être lourdement sanctionné. Le deuxième, c'est d'être responsable d'un accident. En plus des sanctions pour l'absence de permis, je devrais rembourser l'intégralité des sommes versées aux victimes, même si le véhicule est assuré. En effet, si je conduis sans permis, l'assurance de la voiture ne marche pas. Les montants pouvant être considérables, je pourrais devoir payer toute ma vie. Réponse A. Ce qu'on avait vu en fac de droit, ça. Ouais. Mon permis comporte la mention 01, dispositif de correction et ou de protection de la vision. Je peux conduire. Avec des lunettes de soleil non correctrices, réponse A. Avec des lunettes adaptées à ma vue, réponse B. Sans lunettes, en roulant lentement, réponse C. Mon permis comporte la mention 01, ça veut dire qu'on a besoin d'un correctif, de quelque chose pour corriger la vue. Donc, avec des lunettes adaptées à ma vue, il faut que les lunettes de soleil soient correctrices, et sans lunettes, c'est même pas la peine d'espérer, quoi. La mention 01 portée au verso des nouveaux permis rend obligatoire le port de verres correcteurs pour conduire, des lunettes ou des lentilles de contact.
Ne pas emporter, même pour un trajet court, c'est prendre des risques soi-même et faire prendre des risques aux autres. Les sanctions peuvent être lourdes. Amende, retrait de points et suspension de permis. Réponse B. De nuit, je peux réduire l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur une voiture moderne comme ça, certainement. Hein. Lorsque je circule de nuit, une intensité lumineuse trop importante du tableau de bord peut devenir gênante, voire dangereuse. En effet, si l'éclairage est trop présent dans la voiture, les yeux s'habituent mal à l'éclairage de la route par les feux ou les lampadaires et le conducteur risque de percevoir un danger trop tard. Aussi, il est possible de régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord par une commande appelée rhéostat. Il peut s'agir d'un commutateur ou d'une bague à tourner ou encore d'une commande numérique. Pour le savoir et connaître son emplacement et son fonctionnement, le mieux est de se reporter au manuel d'utilisation de la voiture. Okay. Réponse A. Okay. Coucou. Pour l'instant, tout va bien. Mais je l'ai déjà vu celle-là. L'intervalle de sécurité que je laisse avec la voiture devant moi est là, suffisant. Réponse est... A. Le temps que j'arrive, il y aura deux traits. Réponse pour moi, B. C'est suffisant. Ce tunnel comporte des lumières bleues sur les parois. La règle des lumières bleues sur les parois, donc ça n'a aucun rapport. Ok. Qui se suivent ne s'applique donc plus. Ici, je dois laisser une distance correspondant au moins à deux lumières bleues avec, moins le, deux véhicule bleues avec le véhicule qui me précède. Oui, donc cette bon. Distance est respectée, l'intervalle de sécurité est suffisant. Ok. Réponse A. Si je suis responsable d'un accident mortel, je risque une contravention. Réponse A. Je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Réponse B. Ça apprend pas beaucoup à conduire, mais c'est mignon. Si je suis responsable d'un accident mortel, ce n'est pas une simple contravention que je risque. C'est le passage devant un tribunal avec à la clé une possible condamnation pour homicide involontaire. Je risque alors une forte amende, une peine de prison, une annulation de mon permis, entre autres. Réponse ouais, ça comprend, c'est B. Continue. Hop là. Un des enfants que je transporte à l'arrière pleure. J'essaie de le calmer en roulant. Réponse A. Je m'arrête. Mais c'est pas Bulle Bizarre. C'est pas Bulle Bizarre. Mais c'est qui ? Lisandre, tu viens ? On n'essaye pas de le calmer en roulant, on peut s'arrêter. Voilà, c'est bien mon chaton, c'est canartichaud. Donc là, si on est en voiture et que tu pleures à l'arrière en mode tu veux métamo, et ben on s'arrête, parce qu'on peut s'arrêter. Bah oui. Je dois rester concentré avec sur trois ma gamins, ça va être compliqué. Si un de mes passagers ne se sent pas bien, ou s'il s'agit d'un enfant, si un enfant qui s'énerve tout de suite, pourquoi il s'énerverait, le gamin? Et je règle le problème. En effet, il n'est pas possible de partager ma vigilance entre ce qui se passe sur la route et un problème lié c'est à mes passagers qui n'est sans doute pas si grave. Je ne pourrais pas apporter de solution alors que je conduis. Ah ben voilà, maintenant il fait avec Métamo. Métamo, il est compatible avec tout le monde. Là, il fait du bride. C'est bien. Un véhicule hybride, fonctionne avec plusieurs sources d'énergie. Réponse A, consomme moins de carburant. Réponse B, pollue davantage mais ça apprend pas beaucoup à conduire, ça. Classique. Je sais pas ce que t'en dis, mais... C'est vraiment les questions faciles. Oui, il y a plusieurs sources d'énergie, c'est le principe de l'hybride. Bah oui, oui. Consomme moins de carburant, oui, puisqu'il est aussi électrique. Une voiture équipée d'une motorisation hybride est un après, véhicule les questions, qui peut utiliser que la plusieurs sources d'énergie pour avancer. Elle est généralement composée d'un moteur électrique et d'un moteur thermique, essence ou diesel. Cela permet d'adapter la motorisation immédiatement selon le parcours, généralement en mode électrique en ville et thermique sur route, ce qui permet de réaliser des économies de carburant et surtout de limiter la pollution atmosphérique. Réponse A et B. Nickel. Ensuite, lorsque j'utilise le GPS pour me guider, il est préférable de désactiver la voie afin de rester plus concentré. Oui, réponse je dirais non A, parce que non. Ça aide réponse plus. B. Si c'est plus polluant car la batterie électrique pollue, oui, et puis on ne parle pas du retraitement. On ne parle jamais du retraitement ou de la production. Tout à fait. Lorsque j'utilise le GPS, il est préférable de désactiver la voie. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il vaut mieux laisser la voie, sinon ça veut dire qu'on quitte la route des yeux. Regarder l'écran du GPS est une source de distraction. Cela oblige à quitter la route des yeux fréquemment et parfois plusieurs secondes, ce qui augmente le risque d'être surpris. Alors au contraire, il vaut mieux privilégier le guidage vocal,
qui souvent suffit et limite la fréquence et la durée des coups d'œil vers l'écran du GPS. Réponse B. Ah, c'est marrant ça. Genre, tu peux mettre la voix de Dark Vador. C'est pas facile à comprendre. Oui, mais il y en a qui se sont amusés à faire ça. Haute, c'est la feuille. Tournez à droite. Ouais. C'est génial. Une voiture doit être équipée à l'avant d'un lave-glace. Oui. Réponse oui. A. Non. Réponse bah, B. Oui. D'au moins un essuie-glace. Oui, c'est quand même plus pratique. Bah oui. Mais ça, c'est pas toutes encore une fois, c'est pas vraiment du code. Hein. Enfin, un lave-glace à l'avant et d'au moins un essuie-glace. La plupart c'est juste montent. Je dois veiller au bon état des essuie-glaces, ouais. À remplacer à peu près tous les ans et surveiller le niveau de lave-glace. Je peux en avoir besoin n'importe quand. À noter qu'il existe deux sortes de lave-glace. Un pour l'été, voilà, qui facilite le nettoyage d'insectes, tous les trucs autour, et un pour l'hiver, ce que le droit qui résiste au gel. Réponse Là, par A. exemple, si tu conduis avec une voiture dont l'essuie-glace est pété, mm-hmm. Et ben, tu sais que t'as pas le droit de conduire avec. Tu connais beaucoup de gens qui changent leurs essuie-glaces tous les ans? Ça peut être changé pendant le contrôle technique aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est tous les deux ans maintenant. Hop, donc c'est vrai que ça va vite. Je loue une camionnette d'un PTAC de 2500 kg et un PV de 1000 kg. Bon, moment, cela signifie que je peux charger voilà. 1500 kg de matériaux. Oui, réponse A. Non, réponse. Parce qu'il faut aussi le c'est le même truc. En le fait. PV, c'est le poids à vide d'un véhicule. Sans chargement, sans personne vide, à bord, mais tout plein fait. Le PTAC, c'est le poids maximum que peut atteindre le véhicule, chargement et passagers inclus. La différence entre les deux donne le poids maximum que peut admettre le véhicule. Donc 2500 kg moins 1000 kg, cela donne 1500 kg. Mais attention! Cela ne veut pas dire que l'on peut charger 1500 kg de matériaux. En effet, il ne faut pas oublier le poids du conducteur et des éventuels passagers. Réponse B. Je vais rencontrer un passage à niveau équipé de barrières ou demi-barrières. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vais rencontrer un passage à niveau équipé de barrières ou semi-barrières. Dans 150 mètres. 3, 2, 1, j'ai pas l'impression qu'il y ait de barrière. Surtout, je vais dans Retour vers le futur, là, le 3. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément. Le panneau du haut représente une locomotive assez ancienne, sans blague. Ancienne, il est vrai. Ce panneau indique un passage à niveau non protégé. Il ne comportera ni barrière, ni demi-barrière. Ça existe encore, ça ? Je ralentis et je dois être prêt à m'arrêter si un train arrive. L'arrêt ne sera pas obligatoire si aucun train n'arrive, puisqu'aucun panneau de stop n'est annoncé. C'est super dangereux, quoi. Attention, les passages à niveau forment souvent un dos d'âne. Une autre bonne raison de ralentir. D'accord. C'est quand même super dangereux. Réponse B. Sur une voiture à boîte automatique, la position P dispense de serrer le frein de parking pour immobiliser la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout à l'heure c'était N, non, mais là c'est le frein de parking. P pour parking. La position P dispense de serrer le frein de parking. C'est le frein de parking. Du coup là je dirais oui. Sur une voiture à boîte de vitesse automatique, On trouve au moins 4 positions. Le frein de parking. P pour immobiliser la voiture. Mais attention, cette position ne remplace pas le frein de parking ou frein à main. R pour reculer. N pour le point mort. Le moteur tourne sans entraîner les roues, mais cette position n'immobilise pas la voiture si elle est en pente. Et D pour avancer. On peut aussi trouver des positions qui permettent de passer le rapport supérieur ou inférieur en position D ou de bloquer une vitesse afin d'utiliser le frein moteur, notamment dans une grande descente. Réponse B. Ok, ok. Ok, très bien. Je peux m'arrêter un court instant sur un emplacement comportant ce symbole. Si ma voiture fonctionne au gazole, c'est les électriques. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si ça ma voiture fonctionne bon au GPL, sens, là c'est du oui, bon sens. Réponse je C. Un court instant. Un court non. instant. Bah non, réponse c'est pour recharger. B. Donc de toute façon, c'est non. Les emplacements signalés par le symbole de la voiture électrique, repérable à sa prise de courant, sont réservés aux seuls véhicules rechargeables. J'ai jamais vu ce panneau. Et encore, il y a une autre condition.
Ils ne peuvent utiliser ces emplacements que le temps de recharger leur accumulateur. Au parking de ils sont interdits à tous les autres véhicules, essence seule, diesel, GPL, que ce soit pour y stationner ou s'y arrêter. Ok. Réponse B et D. Pour emprunter la prochaine sortie, ah bah, va falloir déjà se mettre sur... Oh, ça va être compliqué, là. Oui, il faut préparer le plus tôt possible, là. Il faut mettre son clignotant dès maintenant. Parce que sinon, je peux attendre, bah tu peux attendre très longtemps. J'avais même pas eu besoin d'attendre ça. Ouais. Dans un bouchon, je dois préparer ma sortie longtemps. Je dois préparer ma sortie longtemps à l'avance pour être sûr d'avoir une bonne occasion, sans danger, de changer de fil. En effet, le risque d'accrochage est élevé. Puisque ma sortie est annoncée, j'essaie de changer de fil dès que possible, en faisant bien attention aux usagers qui circulent dans la voie de droite et aux deux roues qui pourraient remonter entre les fils. Un contrôle de l'angle mort de droite sera impératif, en plus des rétroviseurs. Réponse A. Ok, bon, c'était quand même facile. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident. Vrai, réponse A. Faux. Quelle réponse idée. Mais non, il faut laisser le dispositif tel qu'il est en fait. Faut pas rajouter de trucs. Une pince destinée à détendre la ceinture est sans doute le pire accessoire que l'on puisse trouver à bord d'une voiture, que ce soit une simple pince à linge ou une pince spécialement conçue. En effet, pour retenir le corps progressivement en cas de choc, la ceinture doit être posée bien à plat et déjà bien tendue. Sinon, le corps sera projeté en avant, puis retenu brutalement par la ceinture, provoquant de graves blessures. C'est aussi pour cela qu'il ne faut surtout pas conduire avec un blouson qui détend lui aussi la ceinture. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas conduire avec un blouson qui détend lui aussi la ceinture. Ah oui. Ah oui, j'avais déjà lu un truc comme ça en mode j'enlève mon blouson. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ah ben non, en fait, on s'en fout pas, d'accord. Et d'autant plus pour les bébés. Ouais. Quand tu installes un bébé dans une nacelle avec tout le truc et tout, normalement, faut lui enlever son manteau parce que justement, ça fait le même effet en fait. Oui, oui. Et ça le protège pas bien. En cas de contrôle anti-pollution non conforme, lors du contrôle technique, ma voiture devra être présentée à une contre-visite. Ça dépend si c'est une Volkswagen ou pas, donc si les autres fabricants font la même. A. En cas de contrôle anti-pollution non conforme, c'est contre-visite, on passe pas le contrôle. À chaque contrôle technique, une mesure de la pollution du véhicule est réalisée. Si le résultat n'est pas conforme, un réglage ou une réparation du moteur s'impose. Le véhicule est donc refusé, avec obligation de remise en conformité dans les 2 mois qui suivent, et donc contre-visite. Attention! Les véhicules utilitaires légers, type camionnette, doivent passer ce contrôle tous les ans après 4 ans de mise en circulation, même si le propriétaire est un particulier. Réponse A. Sur route sèche, circuler avec des chaînes est autorisé, réponse A. Déconseillé, réponse B. Interdit, réponse C. C'est pas interdit, mais ça abîme la route et ça abîme les chaînes. Loupé. Lorsqu'une route n'est plus enneigée, il n'est pas autorisé de circuler avec des chaînes. Okay. Cela n'aurait aucun intérêt. Elle se dégraderait rapidement jusqu'à se rompre. Et elle dégraderait également la route. De plus, l'adhérence qu'offrent des chaînes sur le bitume n'est pas bonne du tout. Ce n'est donc pas déconseillé, c'est tout simplement interdit. Okay. Réponse C. Ok. Ce panneau annonce la proximité d'une sortie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ça veut dire, regardez là, c'est super joli. Oui. C'est un panneau marron, donc touristique. Ouais. Regardez, quittez la route des yeux. Non, lisons. Ce panneau n'est qu'une simple information de localisation d'un panorama. Il n'indique pas une sortie à proximité. Si cela avait été le cas, il aurait été sur fond blanc, aurait été numéroté et comporterait le symbole normalisé d'une sortie. Ça réponse B. On dirait qu'on est dans les Alpes, là. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut être abaissée. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation de certains véhicules peut être interdite. Oui, réponse C. Porte de Champéry. Oh, non. Ça sent bon la région réponse parisienne. Ça sent bon Paris, ouais. Ouais. La limitation de vitesse peut être abaissée. Oui, on peut l'abaisser. Et la circulation de certains véhicules, oui, c'est le principe de... Avant, c'était la pastille verte, maintenant, c'est la vignette de critères. En cas de pic de pollution, 2 mesures locales peuvent être prises. L'abaissement des limitations de vitesse, généralement de 20 km/h.
l'interdiction de circuler pour certains véhicules selon leur numéro d'immatriculation, alternance des plaques paires et impaires, ou selon leur motorisation et leur année de fabrication, selon la vignette critère. Ces mesures sont généralement annoncées dans les médias et sur des panneaux lumineux à messages variables. Attention, le non-respect de ces mesures peut entraîner des sanctions. Ah, qui sont en exception. Réponse A et C. Ok. Bon bah 18. Appuie sur le champignon, ouais, j'ai eu un succès Steam. Yes. Bon bah voilà. Hein. Bon, visiblement sur les chaînes, il y a encore du boulot. Mais c'était rigolo. Bon, bah, je vais aller me préparer pour aller bosser maintenant. Hein. Est-ce qu'on va arrêter quelqu'un? Est-ce qu'on va arrêter quelqu'un? Ça pourrait être rigolo. On pourrait arrêter lui. Qu'est-ce qu'on dit? Ça peut être pas mal. Ouais. On va arrêter lui. Comment il est? Non, limite, je vais me reconnecter. Yes. C'est un 0 ou un O, ça? Ah bah c'est pas pratique. On va dire que c'est un O. Non, ça va être un 0. Oui, c'est un 0. Donc, bah merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi. J'avais pas mis les bonnes scènes en plus. Oh là là, j'avais pas mis les bonnes scènes. J'avais oublié le logo, j'avais oublié ça. Oh là, j'avais tout mis dans l'intro directement. C'est pas du beau travail, ça. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez appris des trucs. Et puis, on va raid un tatoueur qui fait des dessins. J'espère que ça va vous plaire. Des bisous. Prenez soin de vous. Bonne journée.